they're taking a chance and speaking stuff that just, as an adult, it's wow. How did that kid, that young, say that, you know? Because I think of myself, you know, I might have had those ideas in my head, but I didn't dare say them aloud. So that's kind of what this event is about. En fait, les profs les font étudier des poètes et des poèmes qui existent. Nous, on les fait écrire leurs propres poèmes. Ce qui fait qu'ils rentrent dans la peau du poète et que du coup, ils rentrent en littérature et en poésie d'une manière différente. Les ondes de mes silences chuchotent dans un monde calme. Puis là, je me murmure en slam. On aborde aussi l'oralité. Alors l'oralité, il y en a besoin, parce qu'en fait, il n'y a pas de prof d'oralité à proprement parler à l'école. Et ça, c'est complémentaire. Donc pour ça, les artistes sont là. On a suivi un cycle d'ateliers slam de 6 séances et une restitution. Et aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de ce projet. 10 établissements scolaires de toute la France participent, donc c'est vraiment un temps d'échange incroyable. Et ils ont la chance de participer au Trophée Slam à l'école pour restituer leur texte. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on découvre des élèves qui sont hyper timides et qui osent prendre la parole en public. Alors ils sont presque mutiques en classe, et ça, c'est incroyable. Je pouvais beaucoup pleurer en regardant les élèves. You may not realize it, but you are so brave just to get up on the stage and speak. Avec le slam, on voit à quel point est-ce que pour les collégiens, ça les aide dans la confiance en eux, dans leur capacité à être avec l'autre, à être avec eux-mêmes. Eh bien, je suis contente. Je pourrais aussi installer à l'intérieur de mon sac ma casserole grosse comme un troll. Et tout ce petit monde sera alors le rock'n'roll. Je suis fière de moi parce que j'ai gagné, je me sentais libre d'écrire qu'est-ce que je voulais et exprimer mes émotions. Mon dos brisé, mes pieds usés. Il n'y a pas que mon sac à dos qui va craquer. Ça fait plaisir, surtout quand à la fin, je vois que le public a compris mes mots. Il m'a entendu, ça me procure du plaisir, on va dire. La maison doit être parfaite, sinon monsieur n'est pas content. Madame aimerait juste un tête-à-tête, mais monsieur n'a jamais le temps. Hey, have a nice day, sweetie. Hey, good to see you. Il y a quand même Mark Smith, l'inventeur du slam. What a great day it is today. Et Grand Cœur Malade, une des plus grosses personnalités de ça. C'est une chance, quoi, d'avoir ces personnes à côté de soi et tout ça. Ah ben, j'étais surexcitée. J'étais plus stressée de rencontrer Grand Corps Malade que de passer mon slam, en fait. Mais moi, je regrette dans toute ma scolarité qu'on ne m'ait jamais fait écrire. La poésie, pour moi, c'était apprendre des poèmes par cœur et des très beaux poèmes, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, je ne suis pas sûr que ça m'ait fait aimer les mots, aimer la langue française, comprendre toute sa richesse, sa diversité. Donc voilà, faites écrire les élèves. Moi, très honnêtement, je suis vraiment sincère, je ne me lasse pas. J'ai fait plein d'ateliers avec des enfants, des collégiens, et ça fait plusieurs années qu'il y a cette belle soirée de Trophée Slam. À chaque fois, je suis étonné, mais vraiment, à chaque fois, je me dis, mais ils sont encore plus forts. Des textes d'une qualité, d'une profondeur, d'une intensité. Voilà, moi, à chaque fois, je prends une claque, et ça, c'est hyper agréable. Je pense que le slam, ça m'aide à m'exprimer, ne pas être timide, ne pas se cacher. Dès que si j'ai un problème, bah, j'y vais directement parler à quelqu'un pour pas garder tout ça en moi. Roméo kiffe Juliette, et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Okay, great.